Grau. Hello, hello. Grau, grau, grau. Ouf. Grau, j'ai 5 pubs. Bah, yes, ça m'avait pas manqué. Oh non. À peine arrivé, il a des pubs, le Lyrian. Bah, tu sais, ils font ce qu'ils veulent, hein, Twitch. Hein. Je sais pas, les cuisses peut-être. Les cuisses? What the fuck, les silicieux fondants, même tu proposes quoi? Mais arrêtez de me bouffer! Arrêtez de vouloir me bouffer tout le temps! Ah! Ah! C'est terrible ça! Vilaine bête, bande de vilaines bêtes. Le Tsuyu! Coucou! Raouf! Raouf, 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 raouf. Comment vous allez les bébêtes? Est-ce que ça va bien ce soir? Qui c'est qu'on a d'ailleurs? Nous avons le Vénir, nous avons le Lyrien, nous avons le Tsuyu qui vient de nous rejoindre. Et puis, bienvenue, bienvenue ce soir pour cette soirée horrifique, une fois de plus. On rattrape enfin le live qu'on avait malheureusement dû abandonner, enfin que j'avais dû abandonner mercredi, en raison d'un petit problème technique lié à mon logiciel de capture OBS, qui un peu faisait de la merde. Mais là, du coup, c'est bien. C'est, tout est réglé. Donc, normalement, tout devrait fonctionner correctement. Étant donné que ce jeu, Outlast, me paraît tellement... Enfin, il est tellement maudit, ce jeu, qu'il va encore faire bugger mon PC, je suis sûr. Enfin, bref. Avant, enfin, fini cette journée de con, et toi, OQT, t'en avais marre. Oula, il te sent le ras-le-bol, là. Ouais, t'sais, enfin, en week-end, c'est bien. Ça va faire du bien. Bah oui, moi, ça va. Écoute, j'ai pas fait grand-chose. Je fais pas grand-chose en ce moment. Là, le boulot, il est un peu calme. Donc, peut-être la semaine prochaine, on va voir. Et puis, j'attends, là. J'attends la FBL. J'attends la convention à Paris, ça va être trop bien. Graou, enfin je suis là. Graouf, coucou Lyrian. Coucou, coucou. Alors comme je disais, oui, on va faire Outlast ce soir. Et normalement, en fonction de la vitesse à laquelle on finira Outlast, on va faire, on va débuter Poppy Playtime, le volume 1, enfin le début de Poppy Playtime ce soir. Et puis après on verra si on continuera la suite, je sais, donc voilà. Coco, Valky, Graou, merci pour les pâtes de pâture. Oh, les pâtes de pâture. Oh oui, dans le cou. Comment tu vas, les Valky? Les deux bébous sont réunis, tout va bien, tout va très très bien. Miaou, ta voix m'avait manqué où? Oh, bah. Ça fait plaisir. Bah, quand tu te tapes le boulot d'un collègue, car il branle rien hormis décorer sa réserve pour Aline, t'as juste envie de meurtre. Oh là, bah, dis donc. Ah oui, je comprends, ouais, je comprends. Bah, force à toi, en tout cas, Tsuyu, quoi, dis donc. Des fois, les collègues, c'est ça la pire chose. Hein. Souvent, c'est pas ça. C'est compliqué. Hein. Faut gérer le patron et les collègues, et c'est souvent un peu délicat. On va changer de musique, parce qu'elle est un peu vénère, celle-là, quand même. Changer de musique, on va mettre du Outer Wild. Je suis dans un... Mon bébou, mais oui, le bébou, je suis dans un état pas possible, on va pas se mentir. Et vous autres, mais bébou, Valky, décidément, il faut lui remonter le moral à ce Valky, là. Ah, ah, il faut lui remonter le moral tout le temps, le bébou. Mon loulou. Vous êtes trop chou. Ah là 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 là. Bon, alors, j'ai lancé le jeu en attendant. Comme ça, tout va se mettre en place. Comme je disais, enfin fini cette journée de mort et tout. La journée de l'horreur. La journée de la mort. Tout, 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 tout. Bon alors, on n'est pas sur du Outer Wild ce soir, non, la musique on va l'arrêter. Nous sommes sur, vous l'entendez, un jeu terrifiant. Un jeu qui m'a fait flipper beaucoup ces derniers temps. Outlast 2, s'il veut bien s'afficher. Merci beaucoup. Oh. Alors, non, le jeu, il faut que tu me laisses sortir. Rapproche lentement ma mâchoire des cuisses humides du coco. Non, mes cuisses sont à moi. Faut pas les toucher. Pas touche aux cuisses. Pas touche. Je vais te bonk. Mais oui, j'essaie de lui remonter le moral depuis tout à l'heure, mon bébou. Mais oui, il faut lui remonter le moral, le bébou, là. Mais oui, il y a tout qui merde aussi. Forcément, je sais pas le moral après. Mais bébou, le bébou, le bébou, le bébou. Le bébou du bébou de Tsuyu. Ah là là. Gros hug. Oui, des hugs. Faites plein de hugs. C'est bien les hugs. Bon, on continue, les gens. Grrr, non, pas de bonk. Comment ça, pas de bonk? Continuez. Alors, je vous rappelle que nous étions dans une mine. Oh, je me souviens plus comment. Alors, attends, madame, attendez un instant avant de nous chasser, de nous péter la gueule. Petit rappel de la dernière fois. Nous avons fortement souffert, hein, on peut le dire. On peut le dire que nous avions souffert la dernière fois. Enfin, c'est moi qui avais souffert, surtout. Avec le nombre de screamers qu'il y avait, j'en pouvais plus.
Mais en tout cas, c'est compliqué. Du coup, nous avons appris du coup plusieurs choses. Qu'est-ce que nous en avons appris déjà? Bah que c'est des grands malades. Ah oui, on s'est fait crucifier la dernière fois, c'est vrai. On s'était fait crucifier vivant. On s'est fait enterrer vivant aussi. Super, l'ambiance, comme d'habitude, avec tous les galeux là. Il y avait une vallée en fait, une espèce de crevasse où il y avait que des gens galeux et tout. C'était dégueulasse. Et ils appellent ça une mine. Une mine. Une mine. Je crois que je vais mettre en soundboard une mine de Gimli. Une mine. Une mine. Ah, tu es déjà à la mine? Mais oui, je suis déjà à la mine. Le monde de la crucifixion, ça pique. Oh, ça pique tellement fort. Ça pique tellement fort. Et du coup, nous étions allés, donc nous avons réussi à rejoindre la mine. En parallèle, nous avons découvert que notre cher ami, je sais plus comment il s'appelle, le personnage principal, je sais même plus, je sais même plus, j'ai oublié, a une enfance assez particulière. Il a trouvé une de ses amies qui, semblerait-il, a été légèrement abusée par un prêtre, voilà, donc par un curé, prêtre, enfin bref, dans son école catho, là, il s'appelle Blake. Ah oui, Blake, voilà, c'est pas Blake. Et notre cher Blake est en PLS actuellement car il ne sait plus où il est, il ne sait plus quoi penser, il ne sait plus comment agir, il ne sait plus. Voilà. Il est un peu, voilà, il est un peu paumé, le pauvre. Hein, donc voilà. Donc on va continuer. Et là, on se retrouve du coup dans les mines hein, parce qu'on doit aller chercher notre femme. Et je sais plus tout comment elle s'appelle non plus. Ellie? Non. Jane? Jeff? J'ai plus. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Mais que. Hein? Mais c'est quoi ces histoires sordides? Ce sont des histoires sordides, mon très cher Tsuyu. Et oui, bienvenue dans Outlast. Surtout celui-là. Dans celui-là, il est très bien. La femme, c'est Liz. Ah oui, Liz. Merci beaucoup, Léaïane. Autant que t'es là. Liz, ouais. Donc, on va chercher Liz, qui actuellement a été capturée par des individus peu recommandables. Et notamment la personne qu'on voit derrière, qui est une femme. Martha, il me semble, elle s'appelle. Là, je me suis souvenu bizarrement. Qui va nous poursuivre. Pendant un petit moment, il va falloir s'échapper et retrouver notre femme, Liz, qui est pas loin. Mais il va se passer des choses cheloues, je pense. Donc on y va, on y va. Alors toujours dans le, on peut pas se défendre, on peut rien faire, on ne peut que fuir et se cacher. Bienvenue sur Outlast. Let's go. Oh, oh putain! D'accord, ça commence bien. Ah! Je fuis! La fuyance! Ça commence bien les bébêtes. Enfin, ça commence bien. Elle arrive ou pas? Est-ce qu'elle arrive? Je peux me soigner en attendant. Je me souviens de tout et pourtant. Elle nous suit ou pas? Ok. Ah, attendez, que je me remette de mes émotions. Je me souviens de tout et pourtant, j'ai pas regardé l'impression de ce jeu depuis longtemps. C'est dingue comme les jeux d'horreur me marquent. Ouais, c'est ma. Bah. Oh, l'ambiance. C'est marquant les jeux d'horreur. Hein. Bon. On peut pas aller par là, non? On peut pas aller par là. On peut pas aller par là. Au secours, je suis perdu. Relève-toi, mon cher. Voilà. Là. On peut pas aller là. Ok. Oh la musique. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, je me prends des cailloux dans la gueule, mon dieu. Alors là, on va encore avoir de ces screamers de l'enfer. Je suis bloqué. Non, je ne suis pas bloqué. Allez, on se concentre les bébés parce que là, c'est des parcs, ça va être des moments un peu tendus encore là. De toute façon, il y en a. Oh là 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 là. Ton père, le Madame? Christ que nous méritons, regarde. Regarde quoi? Regarde. Non, mais je regarde pas moi. Ah non, mais je veux pas, madame. Madame? Madame, vous allez pas bien, il faut vous. Faut vous détendre. Oh, des piles. Le retour des piles. Vivement le 2 novembre pour que je voie le cutie coucou. Graouh! Oui! Ça va être trop cool. Oh, j'ai cru qu'elle allait arriver là. Oh non, faut que j'aille où? Faut que j'aille là-dedans là? Oh! Elle est là. Elle est quelque part par là.
Oh, la musique, elle est un... Ouh. Y a pas du bandage, non? Du bandage, des piles, tout ce que vous voulez, mais quelque chose. Putain, j'ai déjà plus de batterie, non! Vous pouvez vous cacher en vous accroupissant dans l'eau, merci, je sais. Pourquoi il va falloir que je le fasse? Pourquoi il y a l'électricité là-bas? Je suis pas rassuré, je vous le dis, je ne suis pas rassuré. Est-ce que ce serait pas le moment de recharger en vrai? On va recharger. Merde, c'est pas ça. Recharger les piles. Oh, ah, je vois où tu es. Ok, d'accord, merci. Dans le doute, ne dis rien et sois cute, Lyrian. J'ai oublié de dire un truc, mais j'ai pas que ce soit du spoil. Ah non, 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 on dit rien, on dit rien. Seigneur, ces piles sont sous tension. D'où vient leur putain d'électricité? Oh putain, va falloir que je... Faut juste que je coupe l'électricité, merde. Évidemment, elle va être dans le coin. Là. Oh, c'était fait exprès! Oh les salauds! Elle est où? Elle veut quand même pas passer! Elle veut quand même pas passer! Elle veut quand même pas passer en dessous! Elle est où? Elle est où? Elle est où? Madame? Elle est où, putain? Il y en a encore! Il y a encore des qui défilent! Oh non! Quel enfer! Ah putain! Coucou loulou, coucou Vorgat, coucou, coucou. Coucou loulou, coucou, comment ça va? Bienvenue sur le live. Première fois que je te vois parler, comment ça va? Des piles, c'est important les piles. Moi je vous le dis, c'est important. Madame, connaissez-vous la chirurgie esthétique? Elle est où? Elle est où? En plus elle a l'air ultra vénère, ça a l'air d'être un méga boss en plus. Il a dit Vevorgat, Vevorgat. Bah, il y a deux V. Wargat, tu veux, c'est un W peut-être, non? C'est vrai qu'on peut ouvrir doucement les portes. On va fermer. Au cas où, on close la porte. Il n'y a rien ici? Non, me dis pas que je suis venu ici et qu'il n'y a rien. C'est une safe zone ici? On peut se cacher là-dedans. Ok. Oh! Tu mets le follow maintenant, copain loup. Graou! Il a dit Vevorgat. Vevorgat, yes, merci. Wargat, Wargat. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Pour l'énorme W. Attends. Ça, c'est elle, ça? C'est elle. Putain, c'est elle. Cachez-vous! Graou! Elle sait pas où je suis. Elle sait pas où je suis, on est d'accord là. Elle a une flamme. Au moins on sait que quand elle est là, il y a une flamme. Je l'entends. Vous l'entendez? Moi oui. Trop cute ton graou. Graou! J'ose pas sortir. En fait, je suis bien là. Et si on restait là tout le long de la soirée, non? Dans ce... Ah putain, il y a plus de batterie. J'étais en rate de batterie, donc on n'a pas le choix. On doit y aller. Ok. Allez, dodo casier, let's go. Go dodo casier en vrai. Stream casier. Ok, elle est pas là. Si, elle est là. Putain, mais elle est chiante!
Vous êtes insupportable, madame. Vous pouvez pas aller de l'autre côté? Bon, si on voit du feu, si on voit une lumière, c'est-à-dire qu'elle arrive. Voilà, je reste dans le noir, je m'en fous. Je porte mes balls de toutou jusqu'au bout. Un peu serré, non? Comment ça, un peu serré? Ouais, un peu serré le casier. On porte ses balls. On porte ses... Putain, elle arrive. Putain, elle arrive! Ah! Elle est chiante, elle peut pas se bouger. Oh, elle est là. Fais pas un bruit, les bébêtes. Chut, pas un bruit. Elle sait pas où on est. Elle s'y est fou dans les placards. Franchement, c'est un scandale. Elle va fouiller. Elle va fouiller dans le placard. Elle va fouiller dans le placard, c'est sûr. C'est sûr, elle va l'ouvrir. Oh. Oh. Elle fouille dans les placards. Tu as des balls, pardon, c'est méchant. Tu as des balls? Non, 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 non! Je suis outré, je suis scandalisé! Ouvre la porte! Elle fait ultra mal en plus! Putain, il est là le truc! Allez, appuie! Dépêche-toi! Comment ça se fait qu'il est aussi lent? Dépêche-toi, vent de Dieus! Dépêche-toi! Plus vite! Dépêche-toi, Seigneur Dieu! Par pitié! Par pitié, grouille-toi! Ah, c'est honteux! Oui, c'est honteux! Oh oui! Oh oui, c'est bon! Wouah! T'arrives à courir dans une piscine, toi? Moi j'arrive à courir, moi j'ai des pattes de toutou, moi. Moi je suis un méga toutou. Je sais pas de quoi je suis capable. Hein. Ok. J'entends encore un truc. Est-ce qu'il faut que j'aille par là? Ouais, je pense. Hein. Attendez. Oh non, oh non, non, qu'est-ce qu'il y a? Enchanté, outré. Moi, si je pensais que tu étais coco, je suis scandalisé. Oh, oh, des bandages. Oui, je vais pouvoir me bander. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quoi par ici? Oh, de l'eau. Il y a quoi? Il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas des trucs là-dedans, là? Ah si, on peut se cacher. Pourquoi on peut se cacher là-dedans? Ok, donc je vais devoir amener, je pense, le truc jusque là. Phrase à ne pas dans son contexte, mais non. Bah oui, je vais me bander. Bah quoi, vous vous êtes jamais bandé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh. Ah, faut que je pète ce truc, non? Attendez, 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 je suis en train d'imaginer un truc de fou. Oh, le coco peut bander. Intéressant, mais wesh! Le bandage, dans le jeu! Bah oui, je peux me bander dans le jeu. Grab Coco Chaco, grab ou le Ramushi! Ah, je me fais grab par le Ramushi. Comment ça va, Ramushi? Le bébé Ramushi? Oh, le coco, mais wesh. Hey bro, can I get a sip of that water? It's not water. Vodka. Allez, I like your style. Prom. What? It's vinegar, pussy. Oh, what the fuck? What the fuck de bordel de... Ah! Ah, il est horrible ce bruit. Ah. Oh. Oh, attendez. Je reprends des forces, je bois du chocolat chaud. Ah, je me suis fait un chocolat chaud la soir parce qu'il fallait bien de l'énergie pour ça. Oh. Hmm. Si après avoir des bêtises. Comment ça avoir des bêtises? Merci. Ah bah oui, merci pour la boisson. Le Valky. Graou. Attendez. Il y a deux chemins possibles. Je sais pas du coup. Par où il faut que j'aille.
Là, c'est ok. Des bandages. Non, je suis en ok. Ok, bah là, en fait, faut que j'aille là où j'étais. Hein. C'était bien. Ça vient, je viens de finir de miam. Et ici même. Oh, bah écoute, si t'as fini miam, j'espère que t'as passé un bon appétit. Ah, il y a ton copain au Lang. Ah non, le monsieur Lang, là, je veux pas le voir. Hein. Et du coup, oui, ça va bien. Mushi, ça va bien. Finra, ça va bien. On fait ce qu'on peut, hein, sur ce jeu de l'enfer. Ce jeu. Attendez, j'entendais pas. Ah non, c'est moi. Je deviens fou. Ok, là, y a rien. Du coup, faut que j'aille par là. Oh, un chocolat chaud. Oui, un chocolat chaud. Pas trop de PLS. Un petit peu, je t'avoue. Ce jeu, c'est vraiment un des rares jeux qui me met un peu mal. Là, il me met un peu mal, hein, celui-là. Il est... Ah non, mais attendez, je vais pas aller forcément là-dedans. Non, mais attendez. Oh, j'ai pas demandé de descendre cette échelle, moi. Ah, bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Bon, bah, super. Super, super. Putain, y'a du sang sur l'échelle. Yo les gens, coucou le gilou. J'ai entendu du bruit là. Oh putain, mais en même... Ah. Ah bah oui, bah forcément, évidemment, on descend une échelle dans le noir, évidemment. Qu'on se casse la gueule. Oh, mais qu'il est con ce perso. Oh, mais tais-toi! Il était sympa au téléphone? Non, il était terrifiant au téléphone. Non, ce monsieur de téléphone, je ne veux plus. Oh, je me suis trompé de côté. Je me suis vraiment trompé de côté. Alors? Eh ben, moi aussi, je peux le faire! Ah! La fuyance! Fuyez pendant qu'il est encore temps! Oh! Oh! Elle me suit. Je suis sûr qu'elle me suit. Elle me suit, elle est juste derrière moi, c'est sûr. C'est sûr, elle est juste derrière moi. J'ai pas le temps, les bébêtes. J'ai pas le temps. On recharge en avance. Allez, dépêche-toi. Dieu aime les démons, je note. Non. Ah. À droite ou à gauche? À droite ou à gauche? À gauche. À gauche. Non, à droite. Je perds mon. Dépêche-toi. Mais mets-toi accroupi. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Putain, allez, je... Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh! Demi-tour. Oh non. Oh non. Je suis bloqué avec elle. Alors là, je reviens pas. Non! C'est madame, pousse-toi. Non! Elle m'a fait un... Dieu aime les démons, cool, cool, Dieu m'aime. Moi j'ai un démon en particulier, moi. Putain, je me suis fait violenter, mais je pensais pas me faire violenter autant que ça, moi. On m'a pas prévenu. Je ne t'aime pas comme je t'aime. Bon, elle est là, elle. Allez, hop, on n'a pas le temps. Là, on n'a vraiment pas le temps. Allez, dépêche-toi. Il est con ce perso. Il est bête. Oh! Elle est juste derrière moi! Mais il est bloqué! Mon perso est bloqué! J'ai envie de crever. Oh, j'ai envie de crever. Mon perso est un idiot fini. Il s'appelle Blake, il est pas foutu d'avoir autant de gueule que son pseudo. C'est terrible quand même. Oh putain. En plus, il m'a modifié les touches, ce con. Ça y est, ça commence. Alors, on refait. Tac, tac. Regardez, se pencher à gauche. Voilà, appliqué. Oh, ouais, les grottes ont toujours été merdies dans ce jeu, t'es pas le seul coco. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est chose faite, t'es mouru. Mais Graou, tu ignores son amour, vilaine bête. Je refuse l'amour de cette femme. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oh, j'ai pas le temps, madame, de vous satisfaire. Hein, tant pis pour vous, écoutez. Vous trouverez bien quelqu'un d'autre qui vous satisfera. Allez, putain, dépêche-toi, con de mime. Allez, dépêche-toi. Vite.
Là pour le coup ils ont vraiment mal géré les grottes hein, quand même hein. On va passer à gauche hein. Ah non elle est à droite. Regarde il peut pas courir là. J'ai pas le temps je cours hein. Par où? Par où? Par là. Non! Non! Là, la lumière. Ah. Oh! Elle est où la lumière? Elle est où? Faut que j'aille où? Faut que j'aille. Bordel de. Allez! Avance! Par pitié! Grouille-toi! Allez! Je peux pas aller là? Non, ok, faut que j'aille à l'autre. À l'autre lumière, non? Ah! Il est coincé par des cailloux! Oh! Oh, il y a une échelle. Putain, il y a une échelle. Allez, dépêche-toi. Mais Coco, c'est la fin de ta vie. Non, c'est pas ma femme de ma vie. Elle a une drôle de façon de montrer son amour. Ouais, elle est un peu chelou, ouais. Personne me suit, c'est bon. Oh là là, mais c'est terrible. Madame, vous êtes vilaine. Vous êtes laide. Oui, vous êtes laide. Elle est vraiment très laide. Y'a quoi là-bas? Je vais pas y aller. Ok, je m'en dis, me dis non. Oh, je crois qu'elle est là-haut. Je crois que je l'ai vu là-haut. Oh non, je vais devoir encore me la taper, non. On parie combien que ça va pas tenir la planche? Ça va pas tenir la planche. Ah si, c'est bon. On recharge ta cam là. Qui a. Ta cam Apple là qui a. Il n'y a pas une autonomie de 2 heures de batterie là. Faut que j'aille où exactement? Faut que j'aille là-bas? Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Attendez, on va aller là-bas, on va voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, je pense que faut que j'aille là. Mais attendez, je vais aller de l'autre côté, ça se trouve de l'autre côté, il va y avoir des pis. Donc tu dis comment ça, Cutie? Vilaine dame aux cheveux bouclés. Elle a pas des cheveux bouclés, je crois pas. Y'a quoi par là? Putain, y'a rien. Non, mais les devs, vous avez pas fait un endroit comme ça alors qu'il y a rien? Ah si, merci. Putain, j'ai que... j'ai tous les bandages. Super. Après, c'est vrai, il faut se rappeler que c'est pas un combattant. Hein. Il est pas très futé, hein, ce perso. Hein, donc, il sait pas trop se débrouiller. En même temps, qu'est-ce que vous ferez dans ce genre de situation? Je sais pas si on serait un peu... si on serait aussi... courageux que cet individu. Est-ce que c'est elle qui a cramé? Non, pas elle? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, encore un chapitre... enfin, un truc avec des trucs chelous. Non, ça c'est clair. Il sait pas trop se débrouiller. Il est pas mort, c'est déjà énorme. Ouais, ouais, oui, mais bon. Oh, putain, il est pas foutu de. Allez, avance, sacré nom de Dieu. C'est quoi ce bruit? Grao, merci pour les patio patio. Attends, m'a donné des champignons hallucinogènes. Non, il m'a volé. Oh le salaud! Oh le saligo! Oh le saligo, il m'a vu. Il n'est peut-être pas un combattant, mais il a l'air d'avoir quand même un bon instinct dessus. Ouais. Moi je serais sûrement. Ah! Déjà mort, moi personnellement, dans mes clés poumons. Vorgat! What the fuck? What the fuck?
What the fuck. Trop bien le litonite. Merci. Putain, j'ai 4 pubs. What? Il se passe quoi là? Il se passe quoi là? Oh putain. Il se passe quoi là? Oh là le Twitch Twitch content Twitch les pecs de Wargat. Bah boupe les pecs de Wargat. Comment ça les pecs de Wargat? Il a pique quand même, il va faire des trucs sur OnlyFans. Rat. Oh, mais ils font des choses bizarres à côté là. Oh what the. Oh la transition. Oh la transition, il se passait des trucs de fou. Il a piqué les canards, il va faire des trucs sur OnlyFans. Rattrapez-le, rattrapez-le. Tu dois me dire. Enlève-toi. Qu'est-ce que je dois dire? Avant que tu réponds. Je dois te dire quoi? Ok. Mais tu dois abandonner. Peggy 18, oui. Tiens, c'est plus du contenu pour ma chaîne, ça, mon cher confrère Lou. C'est plus du contenu pour ma chaîne. Comment ça pour ta chaîne? Wargat? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu les pecs, j'ai vu les pecs. Attends. Boop les pecs de Wargat? What the fuck? Ouh. Oula, elle m'emmène où? Elle m'emmène où exactement? Elle m'emmène où? Te dire. Non, faut résister. Attention, résister, contenu. Ouh, contenu. Ouh. Que. Non, mais putain, je quitte deux fois ton live pour y revenir en espérant esquiver les pubs et ça me les remet depuis le début. C'est une honte. Ouais, tu peux pas les louper, hein, les pubs, malheureusement, de Twitch. C'est le petit inconvénient. Putain, mais il se cachait dans. Je sais pas pourquoi tu fais autant de mystères. Comment ça, autant de mystères? Lynn t'a demandé de me le demander? J'ai demandé la première. Oh là là. Mmh. Alors? Alors? J'en sais rien. T'es nul. La ferme. C'est toi. Bah, Yank. Pourquoi je suis maudit avec ces pubs de. Calme, calme. Pas de pâte, Lian. Elle t'a dit de me demander, pas vrai? Peut-être. J'en sais rien. Oh là là, des histoires. Je voulais juste savoir. Des histoires de. Toi aussi, t'es nul. Je sais. Oh là là, ça me. Déjà, leur école. On en parle de leur école là où ils sont? La glauquitude de cette école? C'est quoi cette école dans laquelle ils sont? Cet internat de l'enfer là? À moins que tu t'abonnes au loulou. Que je m'abonne au loulou? Grau? Oui! Bah, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, attention, hein. Non, faites en fonction de tout. Moi, je fais pas ça pour le flouze, hein. Attention. Hein. Moi, je fais ça que pour votre divertissement. Tu crois que tes parents sont rentrés à la maison? N'oubliez pas que Twitch prend beaucoup, hein, sur ce que vous faites, sur l'abonnement. Tu penses que je pourrais venir chez toi? Oui, bien. J'ai vu ça, Saloupio, va, comment ça? Pourquoi? Voilà, c'est dit en privé, comment ça? Mais pourquoi tu veux venir chez moi? J'ai vu ça, d'accord, ils se disent faire en privé, super. Elle est très glauque en même temps, Oula. Qu'est-ce que tu ne sais pas, Jessica? Oh, Jessica. Désolée, nous... Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Oh, il est flippant, ce type. Nous sommes restés après l'école pour la revue. Nous allions partir. Retournons en classe, s'il vous plaît. Blake? Tu n'as pas encore d'ennui, Blake. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis, quand même. Oh. Blake, reste avec moi. Il est terrifiant, ce type. Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Il est... Vous conduisiez-vous mal? C'est un psychopathe. Dois-je appeler vos parents? La voix, déjà. La VF est incroyable. Que je dois rappeler non, ton père. Je vous en prie. Oh, la menace. Je veux juste que nous soyons amis. Oui, bien sûr. Avec ta tache de vin sur le crâne, là. Jessica, ce genre de type que t'as envie de foutre en prison, que t'espères qu'il se fasse charcuter, oui. Prie avec moi. Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Veux-tu prier avec moi? Oh mon dieu, les grands malades. Et si tu rentres chez toi, Blake? Ai-je interrompu quelque non, chose entre vous? Non, c'est pas ça. Oh là là. Alors tu voulais quoi? Tu ne veux rien dire? Oh, vous savez, la pression. La honte est un don de Dieu. La honte est un don de... Oh là là. Être le bien du mal. Oh! Et ce que tu veux est très mal. Ce genre de personnage, je le défonce. Toi. Je le détruis de l'existence. Voilà. Il me fait trop peur. S'il te plaît. Cette situation a assez duré. Remarque, la voix du gars, la VF est quand même super stylée. Hein. Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Oh, le forcing. Oh, le forcing. Oh. Vite, mon maison, c'est pas fini. Oh non. Non. Open the door. Let me in. Non. Open the door, please. Non. Je vous rassure, la plupart des prêtres sont pas comme ça. Bah, ouais.
Oui. Non, non, j'espère que tous les prêtres sont pas comme ça. Heureusement, comme n'importe quel truc, tous les FBI, open up, ouais, FBI. On va entendre des cris. On va entendre des cris, je suis sûr. Faut que je fasse quoi? Faut que j'y retourne? Faut que j'y retourne. C'est sûr, faut que j'y retourne. Oh! Mais quel enfer! Quelle horreur ce truc! Oh! Vous imaginez? Oh là là! What? Ah mais c'est les gars Il me monte du doigt là lui non? Oh oui il me monte du doigt. Oh putain de bordel de... Oh maintenant il y a les autres gars du village qui sont venus. Oh je fuis hein. Je fuis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on se barre de cet endroit de fou. Putain, mais Bukesia, faut faire feur, mais bordel. Je vais... Théo. On se barre de cet endroit là. On n'a pas le temps. Attends, je crois qu'il a pas accepté ton mot. Attends. Merde. Il a pas accepté ton mot. Attends, voilà, autorisé. D'ailleurs, t'es trop drôle car t'es entouré avec des psychopathes, mais tu prends le temps de dire et d'analyser si un de ces audits peut recommander de pointer du doigt. Oui, mais je veux voir. J'analyse la situation. Attends, je viens de me réveiller d'une vision d'horreur, là. Pas moi pour toutes les réclamations, voyant parler avec un dénommé Rex. Ouf, non, mais Rex. Non, je te niaque. Le niaque. Le niaquage. Moi, je vais vous niaquer. Oula, ça niaque fort dans le chat. On se niaque. Calmez-vous. Merde. Lynn. What the fuck? Peux-tu être enceinte? Je t'en supplie. Je veux pas mourir ici. Oh la vache. Comment elle peut être enceinte aussi rapidement? Je vais pas. Vas-y, touchez deux mots. Oui, un cheville, touchez deux mots. Oui. Oh la vache, l'enfer qu'on a vécu n'empêche là. On doit sortir de là. Oh. What? Mais c'est l'apocalypse dehors là. C'est l'apocalypse. Tant mes cuisses m'ont fait niaquer, mais wesh. Lyan. En cloque et pas qu'un peu. Beau boulot, mal. Ouais, non, mais t'as vu? Ah, je peux courir. Je sais pas du tout, il faut que j'aille. What the fuck? Oh, bordel de merde! Mais y'a un. C'est la fin du monde ou quoi? Le plus loin possible d'ici. Ouais. Putain, on l'aide, mais elle est enceinte, super, mais c'est... Insortable ton chat. Mais oui, ils sont insortables, c'est terrible, c'est terrible. Ah non, pas ici. Bah non, il y a un trou, là. On doit entrer avant que le bébé arrive. Avant que le bébé arrive, mais... C'est trop dangereux. Tu peux pas. On peut pas rester dehors. Oula, oula. Aide-moi. Je t'en supplie, Blake. Ok.
Fais attention. Oh là 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 là. Oh là là. Je descends. Bah oui, tu m'étonnes que ça fasse mal, bibou. Tu la balances, ta femme aussi. Oh, j'espère que tout, je vais pas te taper. Mais je crois savoir ce qui va se passer. Je dois m'allonger. Par ici. Bah normalement non, hein. J'espère pas parce que. Ok. Ok. Ça va aller, ma chérie. C'est quoi ça, bruit? Merde, allez. What the fuck? On se poursuit par l'autre folle là. Oh non, les salauds. Ah, bonté divine. Ah, par contre, la caméra, elle a pété un câble. Là, il y a un escalier. Allez, allez. Allez, on se dépêche. Allez. Non, pas par là. La caméra, elle est horrible. Je vous assure, là, c'est horrible, la caméra. Je vois rien. Je vois rien. Je sais pas où c'est. Je sais pas où faut que j'aille. Oh là. Là, il y a un échappatoire. Oui. Allez. Merde. Blake. Dieu, donne-moi ta voix. Oh là là. Dieu, non, non, non. Dieu, donne-moi ta voix. Dieu, non, non. Dieu, donne-moi ta voix. Dieu, Dieu, donne-moi ta voix. Oh là. Dieu, oh là là. La Blake, faut faire quelque chose. Oh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ça peut mal comment ça? Va te faire foutre. Et ton dieu aussi. Ah ouais, là oh la vache, le crucifix genre planté là bien là. Faut que j'aille par où du coup maintenant? Par là? Waouh. Ticking. Coucou Ticking. C'est marrant comme nom. J'adore cette partie, ce machin sort de nulle part. Mais oui, c'est n'importe quoi. Coucou, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Merci beaucoup. On peut pas aller là. Merci beaucoup. Bienvenue sur le jeu de... Un jeu terrifiant. Mais il y a des tremblements de terre et tout, c'est Ça empire. Dépêche-toi. Je sais pas où on va. On va trouver un abri. C'est comme si le monde entier brûlait. Oh bordel. Ah oui, effectivement. Ça brûle. Pas par là, je pense. À mon avis, il faut que j'aille sur le côté là. Je ne vois absolument rien. Genre de ces dieux qui lui ont envoyé une croix dans son cœur. Ouais, un peu, ouais. What the fuck, mais c'est en fait. Alors, est-ce qu'on sait plus maintenant si c'est vrai ou une hallucination? Ça se trouve, c'est une hallucination. Tout ça, c'est des hallucinations en fait. Oh, merde, Blake. C'est le bébé. Oui, il va pas tarder. Oh, ça se trouve, c'est une hallucination complète, hein, en fait. C'est. Là, la chapelle. On peut s'y réfugier. Je suis sûr, c'est que des hallucinations. C'est une vraie hallucination, lol. Bah ouais, là. En fait, on sait pas si... Attendez, je suis en train de me dire un truc. Ça se trouve, il y a que Blake qui voit ce genre de truc. Elle voit rien. Elle voit pas ça, en fait. Il fait froid. Enfin, pourquoi ce serait ça, en fait? Ah non, mais elle voit quand même parce qu'elle sait qu'il y a une tempête. C'est étrange. Ou alors c'est l'apocalypse. Ou alors c'est vraiment l'apocalypse, oui. Ça se trouve c'est vraiment l'apocalypse. Oh putain, on est dans cet endroit infâme là où ils ont torturé quelqu'un la dernière fois. Ah, attends, je crois que... Est-ce qu'on va assister à un possible accouchement, les gens? Ça va être hard. Ah oui. Oh, merde, 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 merde. Oh.
Attendez, je vais quand même vérifier un truc. Bah oui, en vrai. Non, mais en fait, je pense que ça va être. Un à-coup tombe dans les pommes. Un à-coup. D'accord. Je regarde en fait s'il est. Non, il est même pas dans la liste des jeux un peu. Non, mais de toute façon, Twitch, ils s'en foutent. Prévois un coche comme dans l'autre. Non, 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 tant pis. Tant pis. Continue de respirer. Quelque chose de pas normal. Non, c'est bon, on va pas voir, je pense. Ils ont pas fait ça quand même. Attention, les gens. Âme sensible, s'il vous plaît, je vous préviens juste au cas où. Je pourrais pas le. Je pourrais pas le. Tu peux le faire, d'accord ? Continue de respirer. Ah, tu vois, il cache. Ah non, il cache pas ! Putain, il cache pas ! Ah ouais, non, attendez. 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 Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va faire comme ça, et puis voilà. Oh là 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 là. Voilà, voilà. Il cache que dalle. Oui, oui, il cache que dalle. Oh, ce jeu, c'est pas possible. Ils sont terribles. Hein. Oh, Coco, tu es né. Non, 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 faites pas de trucs comme ça. Ah non, je vais pas pouvoir. Je cache comme je peux. Je cache comme je peux. Oh, je cache comme je peux. C'est terrible. Attendez. Je t'avais dit prévoir un cache, mais oui, mais je savais pas que c'était autant dans les let's play, c'était pas comme ça. Voilà, c'est bon, allez. Oh la vache, tain, c'était hard, mais what the fuck, mais ils sont tarés dans ce jeu. Les devs, ils sont fous. Ils sont complètement malades. Mais what the fuck, ils sont tarés. Voilà, au moins, je t'avais prévenu, Coco, oui, merci. C'est bon, c'est passé. Alors, oh, de la bidoche, mais calme. Qu'est-ce qu'il y a, Lynn? Il y a un enfant. Il y a rien du tout. Comment ça, il y a rien du tout? Oh mon Dieu. Comment Lynn ça, il y a rien du tout? Hop là, un niard sur les bras. Plus de Coco Chaco. Non, 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 quand même. Mais comment ça, il y a rien du tout? Elle le voit pas, le bébé? Mais comment ça, elle le voit pas, le bébé? Ah ouais, là, ouais, là... Wow, personne n'a compris les dernières paroles de Lynn. Mais je suis sûr que c'est une hallucination, il y a un truc d'hallucination. C'est sûr que c'est une hallucination. Ça se trouve, il hallucine complètement. Il est le seul à voir un bébé ou un truc comme ça. Bah quoi, en tant que loup-garou, j'apprécie beaucoup les enfants. Oh mon Dieu. Pourquoi tu recueilles des enfants? Oula, non, attention, pas... Non, non, non. Il mange des enfants, le Vorgat. Ah, c'est un loup-garou, le Vorgat. D'accord, d'accord. Ça, madame? Vous avez l'air palote? Non, 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 je t'assure que non. Alors, c'est pas possible. Lynn m'a dit que tu l'as pas encore embrassé. Quoi? Comme dans La Belle et la Bête. Comme dans La Belle et la Bête? Comment ça, La Belle et la Bête? Oh, l'histoire. La pièce de théâtre. La pièce de théâtre. On garde ça pour le jour J. C'est vrai. Ok. Ok. On se fait la bise. Oh, les histoires de jeunesse. Ça, c'est ta copine? Dis-le moi, sinon... Sinon quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce... Dans ce... Oh, le Ramushi! Le Wang, Wang. Oh, je t'ai encore eu. C'est l'enfant. Oh, lui, il est terrifiant, lui, quand même. Seigneur. Et là, ils ont péché. La fin approche. L'enfant est déjà trop fort. Il fait peur, lui. Vous avez assassiné le paradis. Waouh. Mais non, pleurez pas. Faites des hugs à Valkyrie, Ramushi. Mais calmez-vous, Dieu les bébés. Les balaises, ce con. Les balaises, ce con. Dieu est ici. Depuis la tempête. La naissance. Dieu est silencieux. Devant Dieu lui-même et tous ses anges. Je l'ai haï.
J'ai haï le Seigneur, notre Dieu. Oh là là, le taré que c'est. Chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. Il n'y a pas de foi plus parfaite. Oh là 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 là. Et Dieu est toujours... Et toujours silencieux. Oh là là. Tue cet enfant, si tu le peux. Si tu as quelque amour que ce soit, écrase son crâne sous ta botte. Waouh. Le mec, ils n'ont pas fait de suite et qu'ils sont partis sur un multi tout nul. Je sais pas, ouais. Ils ont voulu changer un peu, mais. Qu'ils leur répondent. Oula, oula, oula. D'accord. D'accord. Oh, il est monstrueux ce type. Il est quand même monstrueux ce type. Waouh. Il est monstrueux ce type. Du coup, j'ai un enfant dans les bras, ma femme est morte, et j'ai un énorme monsieur qui a fait des dingueries devant moi. D'accord. J'ai plus la caméra. J'ai toujours la caméra. Est-ce que je peux filmer? Oh oui. Qu'est-ce qu'il dit? Le prêtre meurt. T'avais rien à faire. Personne ne pouvait attendre quoi que ce soit de ta part. Rien de tout ça n'est ma faute. On dirait qu'il lui... On dirait qu'il... Camoulox. N'importe quoi. Ah, c'est... Mais quelle diablerie. Camoulox. Allez, Camoulox. Mais on dirait que le gars, il parle comme s'il commentait les trucs, mais pas en direct. Vous voyez? On dirait qu'il les fait comme si les rushs qu'on a là, c'était beaucoup plus tard dans l'histoire. Enfin, c'était genre, il les re-regardait après... Mais par contre, il dit « tu n'étais qu'un enfant », comme si, genre, il parlait à son enfant en montrant ses... Attends, mais il lui montre ses rushs? Les rushs, du coup? What the fuck? C'est leur souvenir de vacances, genre. Et ils se font une petite visio, comme ça, ils montrent une petite séance ciné des souvenirs de vacances. C'est quoi, Camoulox? Oh là, Camoulox, c'est une vieille référence. Tu regardes Camoulox, regarde Camoulox sur YouTube, tu lui trouveras. Google est ton ami. Ouais, là, Google est ton bon ami, là. Tu vas voir, c'est... Je sais pas si ça va te faire rire, parce que ça a fait rire une partie d'une génération, mais je sais pas trop si ça va te faire rire, Lariane. C'est un humour un peu particulier, hein. C'est un peu de l'absurde. C'est un truc un peu absurde. Ok, donc. Oh là, mais qu'est-ce qu'on fait du coup, cette... Oh là, il y a une croix là-bas. Il y a une croix là-haut. Alors, vacances 97, pas bonne année. On était chez des tarés avec ta mère, mais belle expérience au final, oui. Mon dieu. Oh, la musique. Oh, mais toujours des pendus partout, regardez, là. Oh là 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 là, mais les gens sont tarés, hein. Allô? Allô, psychiatre, arrive à la fin, je pense, du jeu. Il paraît que c'est l'apocalypse. Oh, il y a une espèce d'aura chelou, là. Autour du soleil. Merp, merp, bah oui, merp. Mais c'est beau, ça décore. Ouais, oui, bien sûr, ça décore, oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Toujours ce sale gamin, là. Coco, rien de tout ça n'était qu'une hallucination, excepté les moments avec Jessica, et donc oui, c'est l'apocalypse. Mais non. Être témoin de la fin. Oh, il y a des cadavres partout. Tout ira bien pour elle. Oh, elle est avec toi, elle va pouvoir grandir. Hein? What the fuck? Mais ils sont tous morts. Pourquoi ils sont morts? Ils se sont tous dead tous.
Ok, ok. Et du coup... Allez, on filme un petit peu encore. Ah. Hein? Quoi? Que? Hein? Pourquoi ils sont morts? Bon, pas parce qu'ils sont plus en vie, mais ouais, Cocorreur 404, ouais, complètement là. Elle est par là, non? Bah oui, elle est de là où on était. Ne t'inquiète pas. Oui, d'accord. Jamais je ne te quitterai. Oh, elle a... Jamais tu ne m'as quitté. Ok, what the fuck? Et ainsi s'est éteinte la lumière. Elle a un truc au cou, là? Écoute ma prière. Elle a une trace de corde au cou? Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement, m'envoie dans le sommeil. Elle est malade, hein, elle aussi. Hein. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour... Wow. Et ainsi vivre dans... Où ils sont morts, Blake a rejoint Jessica. J'ai terminé le jeu. What the fuck? Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh oui, j'adore Lyrian. Eh oui. Eh oui. Ah voilà. Eh oui. J'adore. Eh ouais. Eh ouais, t'as vu, ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Ah putain. Mais what? Alors, Cutie, t'en as pensé quoi? Non, mais déjà, le premier, moi, je trouvais incroyable. Celui-là, il est... Oh, la musique est forte. Celui-là, il est très, très vénère, hein, quand même. Hein. Fin du jeu et accessoirement de la vie. LOL. PDDRIA, j'ai eu la même réaction. Mais en vrai, ouais, non, le premier, franchement, je l'avais vraiment bien kiffé. Le premier dans l'asile psychiatrique, franchement, c'était trop bien. Il était super kiffant, le jeu, et tout, il y avait tout un truc. Là, celui-là, je le trouve un peu différent. Peut-être qu'on se perd un peu plus. On voit pas assez les décors pour moi, parce qu'on reste tout le temps dans le noir, beaucoup. On sait pas trop où aller, il y a des endroits... Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment cachés, des easter eggs, il y en a partout. Perso, beaucoup de gens préfèrent le 1 au 2. Ou en vrai, ouais, ouais. Dont moi y compris. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, le 1, je l'ai vraiment bien aimé. Du coup, petit Poppy. Oui, attends, ça arrive. Mais oui, après, on va faire du Poppy Playtime, là, après. Mais ouais, là, pour le coup, entre celui-là et le premier, j'avoue qu'au niveau des mécaniques... Enfin, des mécaniques. Ouais, de l'histoire, et puis du côté un peu... même de l'horreur, en fait, au final, je préfère presque le premier. Parce que celui-là, on va pas se mentir, il y a quand même, ils ont joué énormément sur les screamers. Petit Poppy, oups, Poppy, pardon. Let's go pour le Poppy, viens saluer Kiwi. Oh non, le multi pas fifou, rien à voir avec les deux premiers. Ah ouais? Bah je sais pas, il y en a pas mal qui y jouent, qui trouvent ça plutôt bien. Je sais pas. Arouf. Je sais pas. Le multi, j'ai jamais essayé, mais ça a l'air un peu bordélique le premier. J'avais vu quelques let's play, j'ai vu Kaba y jouer, Kabame. Il avait joué il y a pas très longtemps et je crois que... Mais je sais pas, ouais, ça a l'air un peu... ça a l'air terrifiant, oui. Ça a l'air sympa à plusieurs, mais ouais, pourquoi pas. Mais alors après, ouais, c'est vrai qu'en termes de gameplay, j'avoue que je préfère moi aussi le premier. Celui-là, en termes... C'est sûr, juste que celui-là, en fait, en termes d'horreur... j'ai pas vu encore le Outlast 3, mais il m'attire pas vraiment. Le Outlast 3, le celui-là en multi, là. Wagwagwag, guagwag, gratuit. Kaba ce bébou, mais oui, le bébou Kaba. Le bébou Kabébou. Le Kabébou. Mais en tout cas, moi, je préfère vraiment le... En termes d'histoire, même. Vraiment, en termes d'histoire, je préfère largement le premier. Même. Tous les trucs avaient des espèces d'asile psychiatrique où ils faisaient des expériences cheloues, scientifiques, dans les sous-sols du truc. Où t'as un reporter, là, qui va vraiment aller vérifier. Là, bon, ça fait un peu... C'est un peu vraiment du pétage de crâne, un peu, sur... Donc, bon... Kaba est tellement bonne.
Mais ça gâche un peu l'expérience horrifique que tu ressens solo le troisième. Ah, d'accord. Ok, je vois. Ouais, c'est plus de la déconnade en fait le troisième. Putain, j'ai encore 4 pubs. Oh, mais... Oui, tiens, des gratouilles aussi pour ton coco. Merci pour les gratouilles. Bah voilà, écoutez, je regarde juste un truc parce que les enregistrements, est-ce qu'on a tout? Il en manque, je crois, non? Je suis sûr qu'il en manque, il doit en manquer à mon avis. Mais ouais, franchement, je préfère entre les deux, vraiment, je préfère le premier, je pense. L'ambiance est vraiment plus appréciable dans le premier. Là, c'est une ambiance quand même bon, qui est très bien en termes d'horreur, hein, dans le deuxième, mais c'est une ambiance plus lourde et peut-être un peu moins appréciable. Coco est tout aussi bonne que Kabao, mais j'étais parti sur une autre discussion, là. Aïe, 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 aïe. Gras, ouah, 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 ouah. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit jeu-là. Enfin, ce petit jeu, ce gros jeu, hein, on l'a fini en 3 lives, il me semble, 3 ou 4 lives. 3 lives, je sais plus combien de lives on a fait là-dessus. Mais ouais, c'était un sacré jeu. Graouf, me revoilà. Graouf. Mais ouais, en tout cas, je préfère le premier. Le premier est peut-être un peu plus, je sais pas, il y a une vibe qui est un peu différente. Mais ouais, voilà. Graouf. Doui. Hop, on va faire... On va passer à une autre catégorie de jeu cette fois-ci. Parce qu'il y a un plan B, parce que oui, nous avons fini notre cher jeu Outlast, et maintenant nous allons passer sur un autre jeu d'horreur. Qui veut des cookies maison? Oh, des cookies maison. Trempés dans du chocolat chaud. Grouf, avec de la crème chantilly. Oh, ça je dis oui. Bon, on va passer à un autre type de jeu, on va passer à Poppy Playtime. On va jouer au premier, enfin la partie démo, enfin bon voilà. Bah, bon, il reste 2 heures. Oogie Woogie, come here. Viens manger le coco. J'en ai fait cet après-midi. Ah, cookie. Oh là là, le Valky qui se réveille. Cookie. Mais oui, on va aller faire le Poppy Playtime sur Poppy Play... Playtameuf. Fin de soirée sur Poppy Playtime. Hop, on passe à un autre jeu. Poppy... Playtime. Il y a autant de jeux, personne qui regarde Poppy Playtime que de gens qui regardent le Outlast 2. Non. Je suis en manque d'amour et de cookies, d'accord. Mais bébou, il faut cronche les Poppy Playtime. Alors je crois qu'on va jouer au chapitre 1, il me semble. Faire Feur, je m'en vais. Mais bordel, mais qu'est-ce que vous avez tous avec Feur? C'est terrible. Oh, je vais le bannir aussi de ma chaîne, ce beau, si ça continue. Fin de soirée, c'est Poppy Playtime. Nanana. Playtime. Ok. Voilà. Voilà, voilà. On a changé la catégorie de jeu. On va se faire plaisir. Une fois de plus. Alors, attendez, tac. Mais je t'en donne volontiers mon plein d'amour. Non, bannis pas ce cute de panda roux, s'il te plaît. Non, mais pas le panda. Je banne le mot. Je banne le mot fur, bordel. C'est à cause du Blue Dragon, faut le gronder. Mais tout le monde me dit que c'est ou soit à cause de Kaba, soit à cause de Rex, soit à cause de Blue Dragon. Mais vous êtes contaminés tous, hein, c'est terrible là. C'est pas possible. C'est une épidémie de fur ou quoi? La fur épidémie. La fur épidémie. La fur Covid. Poppy Playtime. Alors, il faut que je fasse mes petits réglages. Oula, le jeu, il est en mode fenêtré. Oh. Oh. Pourquoi je peux pas le mettre en plus grand? J'ai pas... Bah, mais Graou? Mais Graou, je suis outré? Attendez. Je. Oh là, je lag. Waouh, j'espère qu'on peut régler le... qu'on peut faire les réglages, par contre. La furipidémie. La furipidémie. Attendez. On va faire ça. Tu râles un petit peu ton avatar. Ouais, c'est normal. C'est normal, faut que je fasse les réglages de... capture de jeu. Où est-ce que... T'es... Ah, mais je sais pourquoi. Alors attendez, on va faire. Je vais juste faire ça. C'est normal que je vais lag pendant un petit moment, les bébés, c'est normal. C'est normal, je vais lag parce qu'il y a un. Je savais pas qu'il y avait un launcher carrément pour le jeu. Hein, pourquoi tu lags? C'est bizarre car c'est pas un jeu lourd. Non, mais c'est normal. Faut faire quelques petits réglages dedans. Il y a quelques petits réglages à faire. C'est pour ça.
Je vais lag un petit peu, vous en faites pas. Alors, déjà, capture du jeu. Capture, capture. Où es-tu, capture? Tu es là. Capture du jeu. Capture, capture. Poppy Playtime, meuf. Voilà. Nous avons Poppy Playtime, un jeu d'horreur. Aïe! Oh, je me suis pris des tartes, wesh. Coco, puis-je te papater les fesses? Mais bordel, non, non, Lyriane. Tu peux me papater le visage, la tête, le museau ou le cou, mais pas les fesses. Grave. Elles sont inaccessibles. Enfin, elles sont inaccessibles. Elles sont... elles ne sont pas à toi. Ah, mais il faut les manger, les tartes, Coco. C'est des tartes à quoi, d'ailleurs? Vous faites des tartes à quoi? Des tartes... Oh, des tartes au chocolat. Tartes au citron. Oh, des belles tartes au citron. Mais je peux te papater alors ton belly? Moi, mmh, oh, d'accord. D'accord. Au moins ça. Attendez, je disparais 2 secondes, les bébêtes. Vous en faites pas, je suis là. Je suis pas loin. Je ne suis pas loin. Vous en faites pas, j'arrive. Voilà, je suis de retour. Là, vous avez le son du jeu. Nous allons faire quelques petits réglages, oui. Fenêtre sans bordure en français. Ouais, en français, c'est pas mal. En français, résolution appliquée. Ah, c'est en 1720 par 1080, c'est marrant. Ouais, FPS, mode écran, fenêtre sans bordure... Paramètres graphite, on va se mettre en un peu moins. Élevé, post-traitement, élevé, effet moyen. Ombre moyen, anti-crénelage élevé, élevé. Flou de mouvement flumineux, V5. Oh, la V5, c'est important. Est-ce que ça m'a validé mes trucs? Je regarde parce que des fois ça les fait pas. Ouais, ça le fait. Bon, je pense que c'est pas mal. La musique, on va baisser un tout petit peu. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau jeu qui... Des quoi? Qu'est-ce que vous dites? Graouf? Des tartes spéciales coco? Oh! On passe pas les fesses, ça se slap. Enfin, voyons. Mais oui, voyons. Non, enfin, qu'est-ce que je veux dire? Oh, vous me faites dire des trucs. To you. certes. Oui, oui. Ah, miaou, oui, oui. Oh là là. Il est déchaîné, Lyrian. Ça y est. Bon, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Là, je découvre avec vous. Je joue au clavier, je pense. Attendez. Je pense que ça joue au clavier, à mon avis. FOV, sensibilité de la souris, luminosité, on est bien. Français, fenêtre sans bordure. Oui, je pense qu'on est bien. Il a validé, se l'appelait fait comme mais wesh. Le lapsus avait l'air du coco MDR. Oh. Alors. Chapitre 1. Une étreinte serrée. Ouh. En tant qu'ancien employé de Playtime Corporation, tu retournes enfin à l'usine des années après que tout le monde... est disparu. Oh. C'est très simple, hein. C'est très basique comme résumé. Et je pense que cet individu va nous poser de sérieux soucis dans le jeu. Possiblement un giga KO. T'es expert là-dedans, toi. Et ouais. Comment ça? Ah, le Valkyrie, d'accord. Bon, on retourne dans une espèce de Playtime Corporation, on ne sait pas du tout ce que c'est, on était un ancien employé, je ne sais pas du tout même pourquoi on y retourne. Quelle idée de retourner dans un endroit où tout le monde a disparu. Je pense que cet individu cherche les ennuis, mais c'est pas grave. On va y aller, on va subir la folie de ce perso. Nouvelle partie. Attention. Parce qu'on est con, voilà. Voilà. Oui, ça fait un peu... Oh, stylé. Côté un peu VHS. Monsieur, les sous-titres alors? My name is Poppy. Une petite fille qui peut lui parler. Hein. Hard to believe, just watch. Dur à croire, regardez. Oh mon dieu. Ah, c'est elle, Poppy. My name is Poppy. Donc c'est une publicité pour une... Hi, des câlins, tu es un expert des câlins, nous tendres et choupis. Ok, donc c'est une poupée pour enfants, en fait. Elle est ultra glauque. Elle est vraiment ultra glauque. $5,99? Non. Just like you.
Just like you. Quelle heure est... Playtime. Ah, c'est une fabrication. Ah, c'est pour... ok. Factory Tours. Ah, t'inquiète, s'il y avait que Poppy. Oh mon dieu, ouais, j'imagine. En fait, c'est une usine de fabrication de... une usine de fabrication de jouets, en fait. What the fuck? Oui. D'accord. Je peux pas bouger. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une espèce de fleur avec une porte au milieu? Oh. Poppy Playtime. Fin du jeu. Everyone thinks the staff disappeared. Everyone thinks... les employés ont disparu il y a 10 ans. Nous sommes toujours ici. Trouver... What the fuck? Quoi? Trouver la fleur? What? Nani? Oh! Ce jeu est raciste. Voilà, c'est bon. Je suis en mode... Attendez. Contrôle, charger une partie, option... Option... Il n'y a pas les sous-titres. Embêtant. Langue, sous-titres. Bah oui, les sous-titres. Oh! Ok, donc nous sommes... Là, c'est l'entrée de l'usine. Bienvenue. Oh, c'est mignon. Donc nous sommes retournés ici, dans cet endroit chelou. Dans cette, fabrique de jouets. Pas prendre de trucs. Oh ! Putain, j'ai eu peur. Je me suis trompé de tout, j'ai eu peur. Après tous ces mois où je t'ai supplié de jouer à Poppy Playtime. Oui, c'est vrai. Objet. Donc nous avons une cassette. On peut la mettre là-dedans ? Non ? On peut s'accroupir ? Oui, on peut s'accroupir. Ok. D'accord. Oh, là, il y a un truc. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait écrit dessus. Bonjour. Bonjour, Lace Pierre. Et je suis le responsable de l'innovation ici à l'usine de jouets Playtime Corporation. Si vous voyez ça, c'est que vous vous êtes introduit illégalement. Oui, nous jouons cette petite castron 1 quand nous fermons l'usine pour la journée. Cette cassette est donc un truc juste pour te prévenir. Bien que notre fierté principale soit nos jouets de haute qualité et notre excellent soutien à l'un, nous sommes également fiers de notre sécurité. Par exemple, cette usine est pleine de détecteurs de mouvements cachés qui, une fois déclenchés, activeront les alarmes de sécurité. L'usine contactera directement les autorités. Et c'est un des aspects les plus dossiers de notre système de sécurité. Surprise. Donc tu es prévenu, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Je vous souhaite juste de bien trouver votre compte dans ce que vous faites. D'accord. D'accord. Déjà, pourquoi on y va de nuit? Oui, déjà, quelle idée d'y aller de nuit? T'es sûr que c'est la nuit? Ouais, ça m'a l'air d'être la nuit quand même. Hein. Quelle idée aussi. Bienvenue, bienvenue. Puisse le sort vous être favorable. Puisse le sort vous être... Ouvrir les portes. Oh, il y a un petit train. Trop mignon. Playtime, des jouets. Ah, j'ai cru que c'était du sang. J'ai cru que c'était... Attendez. C'est du sang? C'est du sang, ça, non? C'est du sang? La caisse! Moi, je prends la thune! La thune! L'argent des abonnés! L'argent des abonnés! Ok. Bon, à part un train qui tourne en rond... Ok. Huggy. Y'a rien dedans. Bon, je sais pas. Écoutez, là, on peut pas y aller du coup. Là-bas, y'a un truc. L'usine est abandonnée, mais tout est fonctionnel. Il y a encore de l'électricité. Oui, c'est chelou. Mais peut-être que justement, le monsieur, il est intrigué parce que. Oh, un jouet qui est coupé en deux. Interagir. Là. Oh. Ah. Ah oui. Si jamais je ne suis pas de retour dans 5 minutes. Attendez plus longtemps. Merci pour le lurk. Merci beaucoup, le Valky, pour le lurk. Merci pour ton lurk. Et à très vite, le Valky. Je peux aller là. Ok, je peux pas... Ok, faut que je trouve un moyen de trait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des jeux... Alors, il y a des jeux de couleurs. Est-ce que ce serait...
Ah mais dans quel ordre du coup? Jaune, rouge. Jaune, rouge, bleu. Pas mal ça. Jaune, rouge, bleu, mais ils vont faire un quatrième. Je crois que c'est un truc à 4 chiffres. Je reviendrai, vous m'entendez? D'accord, Valky. Je reviendrai. Attends, ce serait pas jaune, bleu, rouge, blanc? Il y a du blanc ou pas? Ah oui, il y a du blanc. Jaune, bleu, rouge, blanc. Blanc, jaune, rouge. C'est pas du blanc? Merde. C'est du gris? Ah, c'est du gris. Ah ouais, merde, c'est du gris, donc c'est pas ça. Après, je me dis, il y a peut-être... Ah, je vais me délecter des prochains 2h30. Les prochaines 2h30. Je sais pas si ça va durer aussi longtemps. Hein. Je fais que la partie 1 pour l'instant, mais... Mais attends, j'étais en train de me dire, c'est fait exprès, je suis sûr. Bah oui, c'est le train. C'est sûr, donc ça doit être ouais vert, rose, jaune, rouge, c'est sûr. Vert, rose, jaune, rouge. 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 Voilà. Alors après, oui, le premier, s'il est court, vous en faites pas. Je vais pas durer 2h30, hein, parce que j'ai pas du tout le... Ah, il y a encore une cassette ici. Attends, on va voir ce qu'elle dit, la cassette. Est-ce que faut que je la mette dans un truc bleu? Ah oui, d'accord. Ok, faut jamais dans un truc bleu, c'est sûr. Mais on sait jamais, je fais mes prévisions. Non, j'ai pas duré aussi longtemps que ça. C'est quoi ça? Playtime Corporation. Grab pack. Le fameux grab pack. Serrer les lanières. Ok. Hold boss cannon. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Ok. Hold to grip into object. Only fire a small donor. Do not fire at a cowboy. This may cause injury. Oh! Ça peut arracher des têtes? Non. Where is the conductive used for rewiring? Ah, d'accord. Ok. Il y a des poteaux électriques, on peut raccorder des poteaux électriques avec ça? Tu ne travailles pas. Bah alors, je peux pas l'attraper? Oh putain! What? Comment on fait pour. Je donne des claps, des petits slaps là! Tchlac, tchlac! Ah, tu fais comme moi, tu répètes les choses en boucle pour t'en souvenir. Ah bon, je fais ça? J'ai fait ça? Viens là! Chaise. Trop bien, j'adore. Nya. Poppy veut jouer. Tiens, doigt dans l'œil, les doigts dans la main dans les yeux. Tiens. 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 Pardon. Je sens que je vais m'amuser. Comment on fait pour... très rassurant cette pub avec l'arrachage de tête. Oui, c'est très rassurant. Ça va jusqu'où? Ça va loin. Hein. Je maintiens la touche pour tirer l'objet vers toi. Ah mais lâche. Ah. Ok d'accord, ok j'ai compris. Merci beaucoup. Attends, je vais attraper le train. Je vais aller attraper le train. Et je l'attrape. Oh, je vais pas l'attraper, non. Dommage. On va prendre des jouets. Voilà. Oui, c'est ça, espèce de good boy. Comment ça, le good boy? Oui, je suis un good boy. Hop, dans mon carton. Voilà. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Attends, je me débarrasse de toutes les boîtes, là.
Nien. Je m'amuse, hein. Milton Bouton et Bouton. Oh mon dieu. Et hop. Il y a encore des boîtes ici. Et hop. Et voilà. Il n'y a pas d'achievement pour avoir enlevé toutes les boîtes du. Je veux un achievement. Non. Ah, il y en a une. Il y a celle-là encore. Bon, tant pis, j'y arrive pas. Bon. Allez. Yeah. Je vais m'amuser trop avec cette... Attention, je vais... Oh, je te caresse le visage et je te mets les mains dans les yeux. Bon, bref. Excusez-moi. Bon, j'imagine qu'il faut mettre la main bleue ici. Pouf. Touk-touk. C'est quoi cette porte blindée? Pourquoi il y a une porte blindée comme ça? Est-ce que vous voyez bien, au fait, les bébêtes? Parce que ça paraît... un petit peu sombre. Tu pourras lui mettre une main sur l'entrejambe? Non. Oh non. Regardez-moi ce qu'il y a là. Non, je veux pas y aller. J'ai pas envie d'y aller. Non, mais regardez-le. C'est tout ce que j'aime pas. Il est long et grand. Comme Slenderman, là. Mais si, non. Mais regardez-le, là, on dirait Slender Man, là. Oh, il me fait coucou. Welcome to... Tout quoi? Oh, ben toi aussi, t'es grand coco, mais oui, mais... Rumble Raccoon Official. Eh ben, dis donc, coucou, Rumble Raccoon. Merci beaucoup pour ton follow. Hello, hello, hello. How are you? Hello, ça c'est allemand ça. C'est un mot allemand non? Hello. Non mais j'ai pas envie là, j'ai trop peur. Déjà, attendez. Oh, d'accord, là il y a une... Il y a une histoire de main bleue là ici et il y a une main rouge en plus. Donc on va devoir récupérer l'autre partie. C'est vrai qu'il y avait deux parties. Oh, putain, j'ai failli. Les mains dans les yeux. Belly. Belly rub. Belly rub. Ah, il y a des trucs... Appuie sur le bouton, mais oui, j'appuie. Oui, tu vas me défoncer, toi, je sens. Toi, tu es vilain. Oh là, il est tellement bien fait pour être terrifiant quand même. Coco qui les aime pas longs et grands, j'ai loupé un truc. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, je... Non, les yeux. Je m'enfuis, vite. Et la main dans la bouche. Vas-y, clape-moi une. High five, high five. Je m'amuse hein, pour l'instant, parce que pour l'instant, il nous fait rien. Tiens, je te tape sur la tête. Tiens, slap, je te slap le cul. Allez, voilà. Hop, terminé, je m'en vais. Je me souvenais pas que c'était aussi sombre. Est-ce que c'est... Ah ouais, c'est sombre. Est-ce que vous voulez que j'augmente un petit peu la luminosité, les bébêtes? Parce que je peux... Allez, on veut que tu lui chatouilles l'entrejambe. Non, non, mais calme-toi. Est-ce que vous voulez que j'augmente un petit peu la luminosité, peut-être? Je monte un petit peu. Ok, on va faire comme ça. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est un peu plus... Ça n'a rien changé, hein. Je sais pas si ça a changé quelque chose pour vous. Oui, un peu de lumière serait cool. Ok, d'accord. Je vais en mettre un peu plus. Il est pas très... il est assez sombre, le jeu, donc... Je vais mettre au max, hein, sinon. Oui, ils ont fait mes jours il y a un peu plus d'un an sur le graphisme de ce jeu. Ah, ok, d'accord. Là, je pense que c'est mieux, là, pour vous. Est-ce que c'est plus clair? Non? Par contre, il y a une aliasime de malade, c'est que je comprends pas. Monsieur, vous êtes très grand, vous savez ça. La main sur le visage. On peut
pas aller là. Yep. Ah oui, là on voit beaucoup mieux. Ok, super. Alors là, il y a un truc pour ouvrir ici. Et lui, il va bouger, c'est sûr, au bout d'un moment. Il va bouger. What? Pourquoi il y a une clé ici? Pourquoi il m'a donné une clé? Attendez, pourquoi j'ai une clé? Ah non, je l'ai plus, je l'ai utilisée. Est-ce qu'il bouge déjà? Attendez, est-ce qu'il bouge déjà? Est-ce qu'il bouge un peu? Tu veux jouer? On va jouer, mais wesh. J'essaie de me rassurer comme je peux, les bébêtes. On dirait qu'il bouge un peu, non? Il bouge un peu, hein, non? Attendez. Attendez. On dit merci, Hoogie Woogie, quand on est poli, Coco. Bah oui, merci! Merci. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Oogie Woogie, c'est ça? Non, pas pour l'instant. Mais non, mais attendez, il bouge. Mais je suis sûr. Non, mais c'est sûr qu'il va bouger, Lyrian. J'avais vu des trucs où il bougeait. Donc, je sais qu'il va bouger à un moment donné. Mais par contre. Qu'est-ce qu'il y a dans la main? Il va bouger à un moment donné. Non, attends. Oui, c'est sûr qu'il va bouger à un moment donné. Mais là, est-ce qu'il bouge? Il bouge, hein? À votre avis, il bouge ou il bouge pas? Il bouge, non? Il bouge. Il bouge déjà. Il bouge. Mais si, il bouge. Ses poils bougent un minimum. Mais non, mais il bouge, c'est sûr, c'est sûr. Tu m'étonnes que les employés aient disparu à cause de cette bestiole chelou, là. Toujours là? Ok. Bon, alors, attendez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, ici? C'est quoi, ça? Alors attendez, il y a une histoire de... Il y a une histoire de... Ah, d'accord. Oh bordel, psycha. Oh. Hello, j'ai pas juste fait un petit coup, je joue à Stardew Valley avec des potes, c'est plus calme que Populita. Mais oui, tu m'étonnes, oui. J'imagine, oui. Bah écoute, bon Stardew Valley, et puis merci, merci pour ton petit lurk, et puis pour ton petit hello, merci beaucoup. Ah ok, ça. Toucher un câble pour allumer le courant. Ok. C'est tout ce que j'avais à faire ici? C'est tout? J'avais juste ça à faire? Fier de ma bêtise? Bah oui, j'imagine que t'es fier. Tu dois être bien fier, hein. Oh. Coucou le Kisha, merci pour les pâteux. Il sait du sang, ça. Hein. Oh. Oh, j'en étais sûr. Ça paraissait tellement évident. D'ailleurs, il y a qui signe ici? Oui, c'est du sang. Oh, j'en étais sûr. Oh. Oui, j'ai vu le poster, oui. Oh, non. 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 Attendez, je vais faire un petit truc juste. Comment va le coco? Mais ça va, enfin, ça va. De quoi tu parles, coco? Il n'y avait rien ici. Voilà, je suis maintenant le monsieur qui était là. Mais la bonne question, c'est... Il est passé où? Il est allé où? Il est allé où, en fait? Il est allé à quelle salle, là? Bon, je vais là, hein.
Make a friend, ok. Candy Cat. Non, j'ai encore des pubs. Je m'en fous de Mario. Je m'en fous de Mario. Veux mon coco qui queen et a peur. Inter. Escalier vers l'enfer. Ah bah super. D'accord. Il y a une caméra ici. Bon, ça me fait pas trop peur encore, ça va. Oh, il l'a loupé. Comment ça, je l'ai loupé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai loupé quoi? J'ai loupé quoi? Putain, enfin, je suis là. Ah. J'ai loupé quoi, Psyka? Il y avait un truc? Tu as loupé son bras? Hein? On voyait son bras? Non, il y avait le bras de... Ah, vous me faites peur! Bien, c'est trop tard, maintenant il est parti. Parce qu'il est caché à certains endroits, non? Non. Non. Il est caché dans les murs maintenant. What the fuck? S'il est caché dans les murs. Oh, la musique de l'angoisse. Ok, il y a une cassette jaune à récupérer. Elle est pas là-dedans, non? Non. Faut que je grimpe là-dessus, non? What the fuck, c'est quoi ça? Ok. Je mets là. Et du coup. Ah mais il y a un truc là-bas. Ah, je peux pas aller là, mince. Attendez, comment je fais pour... je vais là. Vous êtes bien silencieux le chat, je suis sûr que vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose, que vous connaissez le jeu. Je vais vous laisser mon bon live à tous, des bisous, des gros bisous le Soyou, merci beaucoup d'être resté. Merci beaucoup à toi, des gros bisous et à très vite. J'ai peur qu'il y a un truc qui arrive dans un couloir genre. Terrifiant cette tête de bébé. Il n'y en a pas un là-haut? Là, attendez. Attendez, il y a un... faut que je cherche des fusils. Bon, il y a d'accord. Relevalki, Grouf. Dors bien que tu... Ah là. Là, il y en a un. Il doit en avoir un autre caché. Pourquoi tout est en foutoir? C'est quoi ce foutoir là? Ok, allez, il y en a un là. Non? Ah non, c'est pas ça, je pensais. Il y a encore du sang dessus, putain, mais... Où est-ce qu'ils pourraient être les autres? Ah, il y en a un là. Ok, et un là. Ok, je pense qu'on les a tous là. Maintenant. Attendez, mais il me manque une cassette jaune que j'ai pas... Peut-être qu'on l'aura après, mais il me manque une cassette jaune. J'ai pas trouvé de cassette jaune? Tu crois qu'il va le voir? Comment ça?
Mais arrêtez là, vous me faites peur là. Je vais voir quoi. Je vais voir quoi. Il va débarquer, c'est ça le. J'espère que je reste prêt à clip. Mon Dieu, vous me terrifiez. Oh putain de merde! Oh ok, d'accord. Oh la vache! Il était là! What the fuck! Oh what the fuck! Mais bordel de merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, attendez, je prends mon chocolat chaud. Parce que là, c'est pas possible. Oh là là! J'étais pas prêt! Regardez, moi aussi, des bisous les bébés. Bisous le Valky, plein de pattes! Plein de pattes, Et puis à très vite, le Valky! Ne m'abandonne pas, Valky! Vous m'abandonnez, les deux bébous, ils m'abandonnent, là! Comment je vais faire? Là, je me fais harceler par un monsieur chelou, là. Lui, là, il est derrière ce truc, là. Oh! Bonne nuit, Valky. Il va pas ouvrir, quand même. La porte, elle va pas s'ouvrir. Mais Coco veut pas t'abandonner. Grao! Au secours! On est là aussi, mon coco. Oui, je sais que vous êtes là. M'abandonnez pas, pitié. Restez là. C'est quoi qu'on a, du coup? Ah, merde. Oh. Oh. Oh, je peux faire un double slap. Ok. Du coup... Attendez, il est peut-être dedans, non? Oh non, mais je me sentirais presque mal de te laisser maintenant. Non. Attendez, mais... Je vais exactement... En fait, je vais dans la gueule... Je me jette dans la gueule du loup, là. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Où est-ce que je vais, là? Tirer pour compléter ce circuit. Alors c'est 2. Ah, je peux aller là. Ok. Je peux aller là, je peux faire. Attendez. Me demander à Jadon, Vorres ou Michael Myers de pourquoi il fait leur action horrible, ça sera du pareil au même avec Huggy Woogie. Oh mon dieu. Jason, ok d'accord. Psyka, qu'est-ce qu'il y a, Psyka hein? T'inquiète pas, on est là pour toi. Oh, non, mais je me sentirais. La gueule du loup, les mouse. Les mouse. Ah, je peux pas aller là, c'est trop, c'est pas assez. Attendez. Ah, Serra! Au secours, Serra! Je suis sur un jeu de l'enfer, encore une fois. Je me fais de souffrir pour rien. Je veux pas? Je peux pas faire ça? What the? Ok, je bouge pas hein. Hello, hello, coucou! What the fuck? Je peux pas bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des jouets? Oh! Meilleur, et bah il est inhumain tout simplement. Ah, il est tous. Ah!
make a friend. What the fuck? Je suis tombé dans quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attendez, je vais aux toilettes. Je vais vite fait aux toilettes et j'arrive. Et on fait la suite. J'arrive, attendez. Et ça va et toi? Bah oui, ça va. Et du coup, ça va bien, oui, Sera. Je suis en PLS parce que le jeu, il y fait peur. Bon, allez, sur ce, des bisous, courage, coco. Merci beaucoup, Valky. Repose-toi bien, les bisous. Bon dimanche à toi. Et à très vite. Bye bye, you. Je reviens vite fait, les bébêtes. Juste aux toilettes, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop, je non mais ouais, tu martyrises mon corps alors que je suis pas là. Mais d'où? Bon, puisque Coco est pas absent. Oh mon dieu. Ah là là. Je me fais martyriser, super. Fais-toi un ami, il faut du courant. Ok, du courant, du courant, du courant. Faut du courant. Ah, il y a là-haut, il y a des trucs, attendez. Mince, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Comment ça, ça n'a pas marché? Ah, les coconuts n'ont pas marché? Ah bon? C'est bizarre. Les coconuts n'ont pas marché. Je pense que tu les as pas vus. Tu les as pas vus passer, tu les as pas vus. Ok, alors. Ah. Touk touk. Ah c'est... Ah d'accord, le deuxième il est là-bas. Ça c'est le premier. Alors attendez. En fait non, faut que je le mette comme ça lui. Ok. Faire ça. Du coup, ça là. Ah putain, d'accord, ok, ça fait ça. Ok, donc faut que je le fasse en plusieurs fois en fait. Oh! What the fuck? Non, je veux dire, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Non, j'étais fixé sur toi, mais il n'y avait rien. Qui peut confirmer dans le chat? Ah, je sais pas. Ça a pas marché. Ah bah écoute. Désolé, des fois ça marche pas. Des fois c'est un peu cassé. Nye. Alors comment je vais faire? Attendez, parce que c'est un peu chelou leur truc là. Ok. Ah, attendez, 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 j'essaie de comprendre. Non, non, ce n'est pas ça.
Et là j'imagine que je peux pas y aller parce que ça va être trop long. Ouais, ça va être trop long. C'est trop long, ok, attendez. Bah super. Gris, je voulais te taper moi, mais comment ça tu veux me taper? La violence. Là je sais pas ce qu'il y a, cette barre qui fout la merde. Et là je sais pas comment faire. Attendez. C'est super simple pourtant, Coco. Non mais vous êtes marrant, vous, à dire que c'est simple. Ça, c'est à la fin, c'est en dernier. Est-ce que faudrait pas que je... Non, parce que là, ça va être la merde, sinon, si je fais ça. Ah non, remarque. Non, vous voyez, je peux pas aller plus loin. Non, non. Attendez, je suis réfléchi, je réfléchis. On est d'accord, faut que je fasse ça, de toute façon. Voilà. Putain, les filles de merde que j'ai. Le karma, peut-être. Et là, je peux pas y aller. Là, c'est fait exprès, je peux pas y aller. Attendez. Je suis con ou quoi? Attendez. Ah. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, non, ok, d'accord. Ok, là, c'est bon, j'ai compris. Faut le faire de là, en fait. Faut le faire de là, ok. Tac. Tac. Eh non, je peux pas non plus. Attends, what? Si je fais ça... Voilà, là je peux. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Comment tu fais pour ne pas réussir, nous avons envie de m'arracher les cheveux là. Ah, écoute, tu sais que c'est pas simple, hein. Tu sais, parfois les énigmes les plus... Attends, what? Ah non, non, non. Je suis trompé. Tu sais, parfois les énigmes les plus simples sont souvent les plus compliquées, hein. Tu sais, ça dépend, hein. Il y a des trucs qu'on arrive plus que d'autres, hein. Allez. C'est bon? Ça a marché? J'ai l'impression que ça a marché. Il y a des cassettes là, je sais pas pourquoi. Je peux pas les... Il n'y a pas de cassettes. Il y a des cachettes cachées certainement quelque part, mais je les trouve pas. Courant activé. Oh putain! Tu dis, ça fait rien. Oh! Ils me suivent du regard. Ils me suivent du regard. What the fuck? Ok. Attendez, il y a des trucs. Il y a des. Il faut que je fasse les cassettes, c'est du lore caché. Ah, ok, d'accord. C'est quoi ça? Faut que je fasse quoi du coup? Faut que je tire des leviers comme ça là? C'est ça? Ah oui, ça va l'assembler en fait. Ça va assembler un... Tu dois remonter là-haut pour la cassette. Ah bon? Oh,
Oh tant pis. Attends, on ira après. Attends, le temps que ça fasse le truc là, on va aller voir. Après, si c'est du lore, bon, c'est mignon, mais... Bon, le temps que ça fabrique un truc, j'ai l'impression que c'est en train de fabriquer un truc. Oui, je sais, là, tu peux mettre la cassette, mais je vois pas où elle est, la cassette rose. Elle doit être quelque part, la cassette rose, mais je sais pas où elle est. C'était à Tepatoun ? Ah bon ? Comment ça, c'était à Mepatoun ? C'était pas du tout à Mepatoun ? Par terre. Ah, je la vois pas là. Là, franchement, là, je suis quelque peu désorienté là. Hein, ils ont changé l'emplacement de la cassette. Bah peut-être qu'ils les ont cachés, tu sais. Hein, ils les ont cachés un peu plus. Hein. Ah, du coup, ça m'a donné quoi ? Ça m'a donné ça ? Oh, un petit chat tout mignon. Faut que je fasse quoi du coup? What? Ah, je peux aller là? Personne ne sort sans jouer. Oula, attendez, oula. Ah oui, non. Ah oui, non, là, non. Oh là, je sens le truc, là, d'un seul coup, qui va dégénérer. Comment dire... Là, il fait noir, là-bas. C'est mauvais signe. Non, mais il y a un truc qui va sortir de l'obscurité, c'est sûr. Oh, si. Mais non, mais si. Non, c'était sûr. C'était sûr. Ok, j'ai compris. Oh non, il va me poursuivre. Faut que je me dépêche. Ok, d'accord. J'ai compris le truc. Oh putain de merde. Oh putain. D'accord. J'ai compris. Je crois que je suis au courant de ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Ah, je sens que ça va être que des coups comme ça. Oh, ça va être que des coups comme ça. Bon, allez, vas-y, toi, fais ton truc, là. Hop, t'es content, voilà. Ok, c'est rien, c'est copain. Non, c'est pas copain du tout. Oh putain, ça va être un enfer. Ça va être trop chiant. Ok. Ok, d'accord, je vois le truc. Ça va être très très chiant à faire. Non, faut que je me dépêche. Faut que j'aille, ouf. Ok, ok, on est bien. On est très bien. On continue comme ça. Allez, avance. Oui! What? Comment ça? Ah d'accord, ok. Ok. Non putain! Je pensais que... Non! Je pensais qu'il fallait que j'attende que...
Fallait que j'attende que la porte s'ouvre. Putain, il est hyper rapide. Lève-toi, oui, je sais, lève-toi. Allez. Oh, faut que je recommence tout. Non. 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 Faut que je recommence tout. Non, t'as pas aimé quand il t'a bouffé, je refuse. Non, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé du tout. Non. Oh, vas-y, fais ton truc, là. T'as un timing parfait. Hein. Allez, on va refaire bien les choses. Ok, on se gourre pas cette fois-ci. On est bien, on est bien, on est bien. Hop. Pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser, on y va, on y va, on y va. Hop, hop. Ok, 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 on est bien, 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 on est très très bien. Là on va là, ok, 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 on est très bien, on est très très bien là, on est très très bien. Ok, vas-y, dépêche-toi, toi. Ok, 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 on est bien, on est bien, on est bien, on continue. On continue. Allez. Allez. Tous les clips, mais wesh, t'as vu, Yi a une très belle dentition. Oui, j'ai vu, il a même de la bave, aussi comme l'alien. Ouah, mais est-ce qu'on va le revoir, lui? Je suis sûr qu'on va le revoir. Oh, il y en a la fleur qui est là. La fleur, elle est là. Attends, on se croyait dans Satisfactory, il y a plein de tapis roulants partout. Pourtant, je suis sûr que son estomac était... Non. 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 Ah, que non. Il y a quoi par là? Tom, il y a plein de cassettes qu'on a loupées. C'est trop chiant. Il n'y a pas des cassettes cachées, non? Il n'y a pas. On peut pas aller chercher des cassettes. Bon. Ah, mais si. Il y a une cassette là, j'avais pas vu. Attendez, on va regarder. Regarde, ça, maintenant, t'as la cassette. Oui, j'ai vu, j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça dit là? Dernière rentrée, rapport 1006, le prototype. La coordination et la coopération font évidemment partie de ses compétences, ainsi que les compétences de toutes les autres expériences de son type. Comment ça? Bien qu'il ait disparu, les événements d'aujourd'hui ont sans aucun doute un lien avec lui. En son absence, ça représentait une faille dans le processus scientifique, qu'il n'aurait en aucun cas dû être ignoré. C'est pourquoi je fais cette entrée pour que cette erreur ne soit pas reproduite. Cri et coup en arrière. Elle est confinée dans un lieu sécurisé. Je n'ai pas peur pour moi-même, une avancée et je... Voilà, c'est traduit bizarrement. Nous devons continuer d'avancer au nom de la science, n'importe qui ce quoi. Il s'est fait buter. Bon, on est d'accord, il s'est fait buter, on est d'accord. Bah GG Coco, merci beaucoup. Coco regarde au sommet, c'est bon. En vrai, il a peut-être même le temps de faire le chapitre 2 en vrai. Bah du coup, je vais pas faire le chapitre 2 parce que je ne l'ai pas en fait le chapitre 2. Donc désolé bébête, je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça. Ça va être un live un petit peu court ce soir, je le ferai la prochaine fois le chapitre 2. Mais j'ai l'impression que c'est des petits partés, comment ça? Non. Courez, danger, stop. Faites demi-tour. Comment ça fait demi-tour? C'est très stylé d'ailleurs, c'est très beau, cette fleur. What? Putain, j'ai 5 pubs. Non, on va la laisser ouverte au cas où.
C'est beaucoup trop calme. Pourquoi je me fais harceler comme ça, putain? Bébé Bou, c'est chiant. T'as mis un bloqueur de pub? C'est sympa ici. On peut pas ouvrir ça. Ah, il y a une porte d'ailleurs. Sympa ici, petite maison. Bon là c'est un peu plus glauque par contre, c'est rouge. Ah mais c'est la poupée non? Est-ce qu'elle serait pas vivante elle aussi? Elle serait pas vivante, cette poupée. Tu devrais regarder sur TV. Il n'y a presque aucune pub. Maladérien, tu regardes sur ton... C'est vrai que c'est... Bon bah j'ouvre. Hein. Tu as ouvert ma boîte. Oh. Wow. Je veux pas, j'ai que mon téléphone. Ah mince, oui, c'est chiant. Ouah. Ok. 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 Eh ben dis donc. C'est... intense. Le jeu est simple. Et plutôt efficace, on va dire. Mais ouais, c'est bon. C'est pas mal. Ah, et voilà. Oui, voilà. Ah ouais, d'accord. Bon bah écoutez, on fera le chapitre... Je pensais qu'il durait plus longtemps, excusez-moi les bébêtes. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Bon, ça a duré une bonne heure quand même. Ou 30 minutes, je sais plus. Désolé en tout cas, je pensais que ça allait vraiment durer beaucoup plus longtemps. Mais bon, c'est une petite partie de ce qu'on va avoir, j'imagine, après. Mais voilà, la semaine prochaine, je vais voir si on commence. Parce que après, ce sera un peu... Est-ce que j'aurai le temps? Parce qu'après, la semaine d'après, je serai en convention Fury à la FBL. Donc, je serai à la FBL. Donc, on verra. Mais ouais, probablement, on fera le chapitre peut-être 2 la semaine prochaine. Je vais t'envoyer les screenshots du nombre de pubs, c'est une honte. C'est vrai que c'est trop bizarre que t'aies autant de pubs, Lyriane. Mais ouais, mais en même temps, c'est normal. Lyriane, t'es sur téléphone. Sur téléphone, ils en mettent un paquet, un maximum de pubs. Donc, ça m'étonne pas. En vrai, malheureusement. C'est très très chiant. Je suis désolé pour toi, mais c'est un peu galère. J'espère que tu vas t'en sortir un peu plus tard après, mais regarde si t'as une tablette par exemple. Si t'as une tablette, tu peux peut-être regarder dessus. Mais ouais, c'est très très chiant. Sinon, faut pas que tu passes par l'application Twitch en fait, faudrait que tu passes par le site web directement. Mais ouais. Bon bah voilà. Dis donc, c'était... Waouh. On fera le 2 la prochaine fois. Et puis voilà. Ouais, la semaine prochaine, je pense, à mon avis, on fera ça. Là, ce soir, on va s'arrêter là, je pense, les bébêtes. C'est un petit live, vraiment un petit truc pour finir pour commencer le week-end, enfin pour finir ce milieu de week-end. T'inquiète, mais c'est rageant, car au début, quand je te regardais, j'en avais 4 fois moins. Ouais, bah tu sais, ils en rajoutent, hein. Tu sais, ils ont besoin de thunes, hein, aussi. Malheureusement, toujours plus. Merci pour les pâtés. Graouf. Bon bah voilà, écoutez, c'était intense, c'était très très bien, on a fait un bon live ce soir, qui a duré à peu près un peu plus de 2 heures, donc écoutez, voilà. Des fois, de temps en temps, faire des lives trop longs, ça fait du bien aussi. Donc voilà. Mais écoutez, en tous les cas, il y a les autres Poppy Playtime qui nous attendent. Je vais mettre un petit peu de musique. Hop, un petit peu de musique. Hein. Est-ce que j'ai bien... Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette petite soirée. Toute petite soirée qui était chargée en émotion, nom de Dieu. Ouh là là. Bon, voilà.
Ouais, je vais m'arrêter là de toute façon, parce que voilà, c'est le week-end, vraiment un truc très très cool, et j'avoue que j'ai pas trop de suite à vous proposer, malheureusement j'ai pas les autres jeux qu'il faut, donc bon, on va s'arrêter là, et puis écoutez, c'est pas grave, on verra plus tard. On verra plus tard. De toute façon, vous aurez un planning pour la semaine prochaine, on continuera Ghost of Tsushima, je pense, lundi, dans tous les cas. Et on te aime très fort. T'inquiète plutôt, t'en es trop. Ah, grou. Mais en tout cas, ouais, ouais. On continuera la semaine prochaine. Ce sera du Ghost of Tsushima pour lundi. Et du coup, t'es, comme on a fini en plus presque les jeux qu'on devait faire. En fait, ouais, on a fini des jeux. Bah, du coup, on a fini. Comment ça s'appelle ? On a fini là aujourd'hui Outlast 2. Du coup, on va passer sur autre chose. On passera du coup pour ce moment horreur. Ce sera mercredi, je pense. Du coup, mercredi, on fera du Poppy Playtime. Et puis il y a aussi Stray, It Steals, n'importe quoi, It Steals à faire, qui est un petit jeu d'horreur aussi, qui est très très sympatoche, qu'on fera bien évidemment tous ensemble, les bébêtes, graou graou. Donc voilà, on fera ça tous ensemble la semaine prochaine, je vous ferai un petit planning bien propre et tout à partir de lundi. Et puis voilà, et puis après normalement, à partir de la semaine d'après, du coup à partir du 28, je ne serai plus là malheureusement. Parce que je vais en convention furie, je vais à la FBL, donc j'espère que... Aïe, wesh. Mais en tout cas, ouais, voilà. Je vous redirai tout ça, j'ai un moment où je serai pas dispo, peut-être pendant une semaine et demie, un truc comme ça. Enfin, voilà. Oui, ça a marché. Ah oui, les coconuts, ça a marché, ça y est. Il s'est vengé, le Lyrian. Ah là 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 là. Il me faire mal comme ça. Me faire souffrir, me torturer, Lyrian. Non mais oh. Oula, qu'est-ce qu'il me fait, le... Mon PC fait des dingueries, je sais pas ce qu'il fait, mais il s'amuse en attendant. Il s'amuse. Bon, bref. Dans tous les cas, les bébêtes, nous allons raid de quelqu'un. On veut vous emmener voir des bébêtes pour la fin de la soirée. Il y a bien pire pour toi. Comment ça? Ouais, j'imagine qu'il y a bien pire. Évidemment. Évidemment qu'il y a... Ah, évidemment qu'il y a pire. Bah oui, bah vie, bah vie. Bon. Qui c'est qu'on va raid ce soir? Alors... Du coup, j'ai dû arrêter la dernière fois. Tac. Qui c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes? Ah, bah, il y a Voidy. Ça fait longtemps, Voidy, qu'il a fait des streams, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Voidy? Voidy the Proto. Il est en train de jouer à The Legend of Zelda Twilight Princess. Oula, le cutie coco est fatigué. Oui, je suis un peu fatigué. J'avoue être un petit peu fatigué. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais oui, oui, là, je vais vous emmener voir Voidy. Voidy. Le bébou Voidy. Le proto. Alors, attendez, hop. Le Redou. Le Redou Maximou. Ah, il est contre un boss, d'ailleurs, Voidy, là, en ce moment. Contre un espèce de boss chelou, un espèce de gros bonhomme avec une armure. Bon, bah voilà. Je vous emmène voir le Voidy. Parfait, faut que je me fasse mes tartines. Les tartines de... De quoi, des tartines de... Non, pas celle-là. Enfin voilà. Bon, écoutez, merci infiniment pour cette soirée. Merci beaucoup pour cette semaine aussi, les bébêtes. Merci beaucoup. Désolé encore pour le petit problème qu'il y avait eu mercredi là sur le live. On avait dû malheureusement, on a dû s'arrêter. Mais voilà. Mais écoutez, normalement, il n'y a plus de soucis au niveau de logiciel OBS. Enfin, je croise les doigts, je touche du bois, je croise mes patounes. Ah, et je baille en même temps. En espérant qu'il n'y ait plus aucun souci là-dessus, mais normalement il ne devrait plus en avoir. Donc voilà, je vous retrouve lundi pour du Ghost of Tsushima, on va continuer à découper des gens, et on va continuer à notre aventure, notre épopée légendaire de notre samouraï. Je suis toujours un bon toutou samouraï, Grau. Donc voilà, et puis après ce sera mercredi, je pense que pour du Poppy Playtime, ou alors du It Steals, on verra. Mais en tout cas, il y aura deux jours, je pense, de jeux d'horreur. On verra encore, hein, je sais pas trop. Je vais essayer de voir mon emploi du temps, de le faire le planning comme qui sera le plus opti possible. Et puis après, on va commencer samedi. Attention, c'est le gros événement samedi prochain. Gros événement sur Civilization avec plein de bébêtes. Donc je vous redirai tout ça, mais il faudra être présent. Attention, hein, c'est un gros truc. Enfin voilà, le raid va s'en